Comment oublier, même après tant d'années? On commémore actuellement le 34e anniversaire de la tragédie de l'École polytechnique à Montréal. Kevin, les premiers ministres Trudeau et Legault ont pris la parole. Oui, et on va pouvoir vous les faire entendre là, dans quelques instants. Sophie, c'était une cérémonie touchante. C'était tout au haut du Mont-Royal, au chalet. Et les gens à qui j'ai parlé ce soir me disaient que c'était important. C'était un devoir de mémoire pour les 14 victimes qui ont perdu la vie. Écoutez. Geneviève Bergeron. Hélène Combien. Ah, et à chaque fois, Sophie, qu'on nommait une victime, un faisceau lumineux était allumé vers le ciel. Vous le voyez, il y en a 14 et ils vont rester allumés ce soir. Sur place, il y avait des familles, des proches des victimes. Les gens portaient un ruban blanc. Les dignitaires avaient aussi là, tous entre les mains une rose blanche qu'ils ont déposée sur une table. Et devant eux, il y avait une photo des 14 étudiantes. Il y a aussi eu un moment de silence chargé en émotions. Voici messieurs Trudeau et Legault. On a besoin de l'aide de chaque Québécois. D'abord, c'est non négociable au Québec, l'égalité entre les hommes et les femmes. Puis quand on voit qu'il y a de la violence envers les femmes, chaque citoyen, chaque citoyenne a un devoir de dénoncer. On a besoin d'agir rapidement, ça sauve des vies. Nous allons continuer d'être là avec des mesures qu'on peut avancer au Parlement et en société. Nous avons tous un devoir de mémoire. Et les gens me répétaient que c'était important à Sophie de garder vivante la mémoire de ces 14 femmes qui ont perdu la vie lors de cet attentat antiféministe le 6 décembre 1989. Merci, Kevin.